doit y avoir un lieu offrant une meilleure vue. Fumée provenant d'un maigre feu. Est-ce là que campait ce pauvre homme ? Ce n'était pas un feu de camp. Le moine est venu ici. La fumée du moine me permet de voir l'invisible. Peut-être me montrera-t-elle le sort de ce mort. Où suis-je? Est-ce cela qu'a vu Kalf? Cet endroit, on a une large vue sur la région. Mais c'est un peu loin pour lancer un avertissement. Il faudrait un autre moyen de donner l'alerte. Un feu, peut-être. On a trouvé Kalf près de ton navire. Ce qu'il restait de lui. Les dieux t'ont brûlé de ton propre feu. Traître. Ils incendient le navire d'Oubeux! Abandonner des armes ici, de bonne qualité, comme celles utilisées par des mercenaires, pas par des paysans. Une grande bataille a eu lieu ici.
restes calcinés de la proue d'un navire. Elle arbore un serpent, symbole apprécié des fils de Ragnar. Elle vient du navire d'Oube. J'ai déjà vu un bracelet brisé comme celui-ci, lorsque Styrbjorn a banni un homme de Farnberg. Kalf montait la garde la nuit de l'attaque. Les mercenaires sont venus par la terre. Il n'avait pas le temps de rejoindre les autres. Alors, il a donné l'alerte en brûlant le navire d'Oube. Oube a dû être furieux. Il a probablement accusé Kalf de cette attaque et l'a laissé ici quand la grande armée est partie. Maintenant que j'ai découvert l'histoire de Kalf, je vais l'inscrire sur le navire de Gudmund. J'ai franchi le voile, à l'aide de tes herbes. J'ai vu par les yeux de Kalf et appris son histoire. Kalf a sauvé les siens, et il sera honoré. Que vois-tu lorsque tu regardes par-delà le voile ? Voir ce que je vois te rendrait fou. Ne m'interroge pas sur mes visions. Je ne te questionnerai pas sur les tiennes. Kalf, il a sauvé cette colonie.
toi, tu peux peut-être m'aider à trouver Aitam. Qu'est-ce que tu lui veux exactement ? J'ai apporté un assortiment de marchandises d'Irlande. Enfin, si j'ai la permission de faire amarrer mes navires. Hasard ! Je vois que tu as rencontré Eivor, l'ami des loups. Ah, alors c'est toi, Eivor. Justement, je t'apporte un message en provenance d'Irlande. Je ne connais personne en Irlande. C'est une lettre du roi de Dublin. Mais, hélas, je l'ai apparemment égarée. Le roi de Dublin ? Pourquoi ce roi m'écrirait-il ? Il désire étendre son commerce à l'Angleterre. Et c'est pour cela que j'apporte des marchandises. Hazard vient d'Orient, mais vit à présent en Irlande. Pour ce qui est du commerce, Hazard, c'est à Ranvi que ton roi doit s'adresser. Il dit connaître Eivor. Il m'a demandé de t'accompagner auprès de lui. Je ne connais aucun roi. Et je n'ai pas l'intention de me rendre en Irlande. Avant tout, Hazard, tu dois bâtir un comptoir marchand. D'ailleurs, où est ton navire ? Ah, oui, à ce propos. Un contretemps, ma foi, désagréable. Des concurrents empêchent mes marchandises d'arriver jusqu'ici. Un fleuve bloqué nuit à tout Ravenstorp. Reste, je vais aller régler ça. Comme tu le vois, Eivor est un homme d'action. Reviens me voir plus tard, quand le passage sera dégagé. Entendu, mon ami. Je te remercie, Eivor. Entre-temps, je retrouverai le message du roi. Tu t'entêtes à dire que je connais un roi irlandais. Autant t'arrêter tout de suite. Quel peut être le roi qui m'envoie du courrier d'Irlande ? Au fil des flots. J'ai envie d'une chanson. Une chanson maintenant. Je parie que leur prêtre garde de l'argent là-bas. Voilà le passage à libérer.
Mieux vaut éviter d'attirer l'attention ici.
sais. Tirez sur lui! Allez! Tout le monde au navire! Devrait faire l'affaire. Les concurrents d'Azar sont vaincus. Le fleuve est dégagé. Il est temps d'en savoir plus sur ce roi de Dublin. C'est la voie. Chantez, les corbeaux. Attaquera la vue par ici. Allez, une chanson. Le navire ici. Silence maintenant.
Cela suffit pour aujourd'hui? À une prochaine fois, adieu. Au revoir, Eivor. Le sort a été réparé. Apporte. J'ai fait ce que j'ai pu pour nous préparer à ce jour. C'est à présent aux dieux de juger et aux Nornir de décider. Hasard, le fleuve est dégagé. À part quelques morceaux de bois et 2-3 cadavres, des marchandises peuvent passer. Alors ta réputation n'est pas usurpée, même si j'ignore à quoi fait référence Ami des Loups. À la cicatrice que j'ai sur le cou. Hein? Dans ce cas, mon nom viking serait Hasard n'a qu'un œil. Merci, n'a qu'un œil. Mes hommes aideront à construire ton comptoir marchand. Je te suis donc doublement redevable. Et si jamais tu changes d'avis pour l'Irlande, tu me trouveras au comptoir marchand. Une fois achevé. Oh, et j'ai trouvé ta lettre. La voici. Un Barry des vivants et roi de Dublin. Ces Nornir me surprendront toujours. Le sombre cavalier s'en vient! Eivor, pendant ton absence, tes Yoms vikings ont servi d'autres Jarls. Voilà ce qu'ils ont gagné. Je dois partir. À bientôt.